Alors, bonsoir à tous, toujours heureux de vous retrouver en ce 7 juillet 2020, 23h, 14h du Québec. Donald Trump raconte n'importe quoi depuis le début de sa présidence, mais ça a pris quelque temps avant qu'on puisse décoder quand même. Hein? Euh, puis moi, ça m'a pris du temps parce que j'étais un pro-Trump au début, mais pas vraiment convaincu. Là, mais je m'attendais à quelque chose de, de nouveau, quelque chose d'autre, qui a été complètement décevant. Donald Trump a gouverné avec la lutte des classes, comme il était en train de le faire maintenant. Hein? Alors, prétendant que tous ceux qui veulent proposer d'améliorer la vie des Américains, c'est des communistes, des anarchistes, des fascistes, des socialistes. Donc, on veut remettre le modèle en question, oui, parce que c'est un modèle complètement injuste. C'est un pays qui a été fondé par des esclavagistes qui ont dit au monde qu'ils étaient tous nés, libres et égaux. C'est sûr que ça ne marche pas aux États-Unis depuis longtemps. Et que l'élite, peu importe qu'elle soit démocrate ou, ou euh, conservatrice, républicaine, ne veut pas perdre son pouvoir et ne veut rien donner au peuple. Et c'est pour ça que ça largue, ça largue et ça largue et que ça tarde à changer parce que des deux côtés, on ne veut rien donner au monde. Puis on veut prétendre que tout est parfait, que c'est ça le modèle américain. Il faut que les riches règnent puis que les pauvres soient vraiment pauvres. <laughs> puis si jamais tu veux t'opposer à ça, ben, on va te traiter de communiste, fasciste, anarchiste. C'est complètement aberrant. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que la politique fonctionne aux États-Unis. Et on est en plein là-dedans en ce moment avec une guerre des classes menée par Donald Trump. Complètement, complètement affollant, mais qu'est-ce que tu veux? Espérons que ça va changer. Mais il y en a qui sont contents ou qui seraient contents de voir Trump gagner. Et c'est la Chine. C'est un peu étonnant hein? parce qu'on pourrait penser que Donald Trump, c'est le grand défenseur face à la Chine. Pas du tout. C'est un clown. La Chine est morte de rire parce que Donald Trump a tellement isolé les Américains que la Chine a mis tout le monde dans sa petite poche arrière. <laughs> c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on préférerait avoir Donald Trump, et c'est une analyse que j'aime beaucoup de Michael Schuman ici, qui nous vient de The Atlantic. C'est ça qui arrive quand tu mets à consulter d'autres médias que les médias stupides de Fox News, CNN ou tous les autres médias bidons. Il y a beaucoup de gens très sensés aux États-Unis. Michael Schuman, c'en est un. Quatre années supplémentaires pourraient présenter des opportunités alléchantes pour Pékin d'étendre son influence en Asie de l'Est et dans le monde. Comme tout le monde à travers le pays et le monde, les dirigeants chinois observent probablement la campagne présidentielle controversée qui se déroule aux États-Unis et se demandent avec inquiétude ce que cela signifie pour eux. Après leur grondement de quatre ans avec Trump, les Chinois devraient compter les mois, les semaines, les jours et les minutes des élections de novembre en espérant qu'un démocrate plus sot prenne le contrôle de la Maison-Blanche. Non, pas vrai? C'est certainement ce que croit Trump. Les Chinois, a tu le tweeté, veulent désespérément que Sleepy Joe Biden remporte la course présidentielle alors qu afin qu'il puisse continuer à arnaquer les États-Unis comme ils l'ont fait pendant des décennies jusqu'à ce que je vienne. Euh, ce n'est pas nécessairement vrai. Du point de vue de Pékin, alors qu'une présidence démocrate pourrait restaurer une forme de diplomatie américaine plus prévisible, celle-ci pourrait ne pas servir au mieux les intérêts chinois. En fait, quatre années supplémentaires de Trump, bien que probablement remplies de contrariétés et de différends, pourraient présenter des opportunités alléchantes pour la Chine d'étendre son influence en Asie, de l'Est et dans le monde. Bien sûr, nous ne pouvons pas savoir avec certitude quels résultats les cadres supérieurs chinois préfèrent, ou s'ils sont même d'accord entre eux, aucun candidat ne devrait s'attendre à une, appro une approbation du, quotidi du quotidien du peuple. Pourtant, il y a des indices dans un commentaire très inhabituel. L'ancien négociateur commercial chinois Long Yongtu aurait déclaré lors d'une conférence à Shenzhen à la fin de l'année dernière ⁇ Nous voulons que Trump soit réélu. Nous serions heureux de voir cela se produire. Les tweets du président le rendent facile à lire, explique M. Long, et donc le meilleur choix d'un adversaire... Pour les négociations. En mai, Yu Xijing, le rédacteur en chef francophone du journal Global Times, dirigé par le Parti communiste, a retweeté euh, chez, chez Trump que les Chinois souhaitaient votre réélection parce que vous pouvez rendre l'Amérique excentrique et donc haineuse pour le monde. Vous aidez à promouvoir l'unité en Chine. Yu a ajouté que les internautes chinois vous appellent Django. Ce qui signifie aide à la construction de la Chine. Leur vue était tabou dans le cercle intérieur du pouvoir. Ce qui donne, et eh oui, oui, de nombreux Américains pensent à tort que Trump est le premier président à avoir résisté à la Chine. Après tout, son administration a abaissé les tarifs douaniers sur les exportations chinoises, sanctionné certaines de ses entreprises et fonctionnaires les plus importants, et fait pression sur Pékin pour qu'il joue équitablement le commerce. Et les Chinois en veulent plus. Bien sûr, Pékin aurait préféré éviter de nombreux échanges commerciaux coûteux avec son plus gros client, mais Trump peut ne pas semer autant de terreur dans le cœur des cadres supérieurs de Pékin que vous ne le pensez. Il a des sentiments intestinaux que la Chine n'aime pas, mais il a des sentiments intestinaux auxquels la Chine ne se soucie pas vraiment, m'a dit Maxine Pai, au pays spécialiste de la politique chinoise au claremont McKenna College. Il ne voit pas vraiment la Chine comme un adversaire idéologique Trump peut être convaincu si le prix est correct. Pour la Chine, c'est la clé. Bien que Trump ait parfois agi sur des questions politiques et relatives aux droits de l'homme, Pékin trouve très sensible, plus récemment, la signature d'une un, loi visant à imposer des sanctions pour le traitement abusif du gouvernement chinois à l'égard des Ouïghours minoritaires. Il a personnellement sembl souvent semblé désintéressé, voire méprisant. Dans un nouveau livre, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, a affirmé que Trump avait dit au président chinois lors d'un dîner à Osaka, que les camps de détention que Pékin construisait pour contrôler la communauté ouïghour étaient la bonne chose à faire. Trump a également récemment admis avoir retardé les sanctions contre les responsables impliqués dans les camps afin de faciliter les négociations pour son accord commercial convoité avec la Chine. Trump a montré une ambivalence similaire envers l'intensification de la répression de Pékin contre les, les manifestants de la pro-démocratie à Hong Kong. Le président a promis des sanctions sévères pour contrer la dernière décision de Pékin imposée une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong visant à anéantir la résistance restante et son secrétaire d'État Mike Pompeo a fait des déclarations belliqueuses et menacé cette décision. Mais l'engagement de Trump pour la cause de Hong Kong a souvent semblé tiède. L'année dernière, alors que des millions de personnes marchaient dans la ville, il a contourné leur soutien, à un moment donné même en insistant sur, en insistant sur la ligne du Parti communiste, en appelant les manifestants des émeutes. Et une affaire purement chinoise, c'est entre Hong Kong et c'est entre la Chine. Parce que Hong Kong fait partie de la Chine, a-t-il déclaré en août dernier. Le président Trump. Même sur le commerce, le sujet qui revient le plus souvent dans ses tweets, Trump s'est révélé faible. Les négociateurs chinois l'ont adroitement convaincu de pousser la discussion des questions les plus critiques pour les entreprises américaines. Les programmes d'État qui subventionnent fortement les concurrents chinois, par exemple, à une phase 2, des pourparlers qui doivent encore se concrétiser. Au lieu de cela, Trump s'est contenté d'un accord de phase 1 plus étroit signé en janvier qui était centré principalement sur les gros achats chinois. Chinois de produits agricoles américains, mais qui comprenait peu pour modifier les pratiques discriminatoires de Pékin. Trump a fait encore moins pour contenir le poids croissant de la Chine sur la scène mondiale. Le mépris de son administration pour les institutions internationales a cédé une influence en leur sein à la Chine, notamment avec sa récente annonce des, du retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, alors que Pompeo est à plusieurs reprises défoncé. Le programme diplomatique euh, animal de SI, l'infrastructure et la construction de la ceinture initiative route comme un dangereux piège pour piéger les nations pauvres sans méfiance, l'administration n'a pas pris la peine d'offrir une alternative. Trump a contesté de manière plus agressive la revendication controversée de Pékin sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale en augmentant la fréquence des missions navales envoyées à travers les eaux litigieuses pour défendre la liberté de navigation, mais il n'a pas suivi cela avec une diplomatie cohérente en Asie du Sud-Est <coughs> et lui-même a généralement ignoré la question. Le leadership de la Chine est assez confiant que, même s'ils n'ont pas gagné la mer de Chine méridionale, ils gagnent certainement m'a dit Gregory Pauling, directeur de l'initiative de transparence maritime en Asie au Center for Strategic and International Studies à Washington. Prévenir cela nécessitera un effort international collectif dirigé par les États-Unis, mais vous pouvez être certain que cela ne se produira pas sous l'administration Trump a déclaré Pauling. C'est là que réside la principale raison pour laquelle Pékin Peut ne pas être dérangé par un autre terme de Donald Trump, son style de politique étrangère unilatéral, personnalisé et axé sur les questions de dollars et de cents, a gravement affaibli le système d'alliance tra traditionnel américain. Alors que le président Barack Obama a tenté un pivot vers l'Asie, Trump n'a suscité qu'un intérêt occasionnel dans la région, en particulier au-delà du commerce et de ses bavardages éphémères avec la Corée du Nord de Kim Jong-un. Pékin a certainement noté que Trump a tendu les relations avec les deux alliés les plus proches de l'Amérique dans la région, la Corée du Sud et le Japon, avec ses querelles persistantes et mesquines sur le commerce et les coûts des bases militaires américaines dans ces pays. Cela convient parfaitement à Pékin, alors que Washington recule, la Chine essaye d'avancer. Pékin est devenu de plus en plus affirmé au cours de la présidence de Trump. La machine de propagande chinoise est en capitalisant, est en capitalisant sur la réponse affligeante. De Trump à la pandémie de coronavirus pour se moquer du président et de la démocratie américaine, <coughs> des doutes soulèvent sur le leadership mondial des États-Unis et offre en Chine et offre en Chine, la Chine en tant que puissance mondiale plus responsable. Le Who du Global Times ou le You du Global Times Global Times passe une journée sur le, le terrain avec les luttes de Trump, déversant un barrage de jab presque co de jab co de, quotidiennement. Vous ne savez pas comment contrôler l'épidémie, a-t-il euh, tweeté à propos de Trump en juin. Si l'Amérique grincheuse était quelqu'un dans la vie, comme elle est méchante, dans une autre, il a simplement proclamé, proclamé, Washington est plutôt stupide. Le gouvernement chinois, avec ses compétences supérieures en matière de lutte contre le coronavirus, a renforcé la confiance internationale dans la lutte contre le virus, a récemment déclaré Liu Xiangming, ambassadeur de Chine au Royaume-Uni. Bien qu'il soit loin d'être clair si ces commentaires ont un impact tangible sur l'opinion publique mondiale, de nombreux diplomates et officiels chinois les considèrent certainement comme efficaces. Du point de vue de la Chine, Trump n'est pas tellement plus dur qu'il est différent. Les précédents présidents ont tenté de faire pression sur la Chine dans le respect des règles de l'ordre mondial actuel. Trump préfère agir en dehors de ce système. Par exemple, ses pré euh, prédécesseurs pardon, se sont tournés vers l'Organisation mondiale du commerce pour contester les pratiques commerciales déloyales de la Chine, déposé 21 plaintes en 2004 et début 2017, avec un solide bilan de succès. L'administration Trump, dénigrant ouvertement l'Organisation mondiale de la santé, n'a soumis que deux plaintes dont l'une était une réponse aux représailles de la Chine contre les propos ou les propres tarifs de Trump, alors que les présidents précédents ont cherché à gagner d'autres pouvoirs, notamment en Europe et en Asie de l'Est, avec des intérêts similaires à forcer la Chine à respecter les règles. Cette Maison-Blanche a aliéné une grande partie de l'Union européenne en menaçant des tarifs élevés, a critiqué l'OTAN et a lancé des attaques personnelles contre certains des dirigeants les plus influents de l'Occident. En Asie, quant à lui, il s'est retiré du partenariat transpacifique, un pacte visant à solidifier les, les liens américains avec ses alliés. Et en ce sens, un président avec une politique étrangère américaine plus normale, dans laquelle Washington travaille en étroite collaboration avec ses amis et soutient les normes et institutions internationales, n'est pas bon pour la Chine. Le candidat démocrate Joe Biden a déjà promis de forger une coalition de pays pour isoler et affronter. La Chine. Lorsque nous nous joignons à nos concitoyens démocrates, notre force fait plus que doubler, a expliqué Biden. La Chine ne peut pas se permettre d'ignorer plus de la moitié de l'économie mondiale. C'est cela, et non Trump. C'est l'étoffe des cauchemars chinois. Cela qui, celui qui gagne en novembre, la politique envers la Chine ne devrait pas se ramollir. Un, un quasi-consensus s'est formé à Washington de l'autre côté de l'allée politique selon lequel... La Chine est une menace stratégique pour les États-Unis et il n'y a peut-être aucun moyen de revenir en arrière vers les jours les plus difficiles de l'engagement patient des États-Unis. Il y a beaucoup moins de colombes, même à gauche, a déclaré Pauling de la Asia Maritime Transparency Initiative. Un démocrate qui entre maintenant ne sera pas un démocrate Obama en ce qui concerne la Chine. Ce n'est plus possible politiquement. De Claremont-McKenna a spéculé que certains à Pékin pourraient toujours préférer une victoire Biden, ne serait-ce que dans l'espoir d'une pause dans les tensions, alors que les démocrates, au moins au début, se concentrent sur leurs priorités nationales. Mais les Chinois, a-t-il dit, pourraient aussi le regretter. Le peuple Trump pense que seuls les États-Unis peuvent porter un coup fatal à la Chine, a déclaré. Euh, paye. Les démocrates tentent, tendraient probablement la main à des alliés pour former un front beaucoup plus uni contre la Chine. Si les démocrates réussissent, la Chine serait dans une situation beaucoup plus difficile, à long terme, vraiment, vraiment intéressant comme analyse. Je voulais vous la partager, puis je vous reviens.